Gary Maeté-Djéjou, merci de nous recevoir. Nous inaugurons sur notre chaîne Nine Press une nouvelle série qui s'appelle Regard Actu. Et nous allons donc parler de l'actualité française et surtout internationale. Pour vous présenter, vous êtes un artiste algérien, photographe. Vous avez une galerie dans le 13e arrondissement à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer, qui continue à se produire actuellement en Palestine et dans la bande de Gaza? Est-ce que l'attaque israélienne contre la bande de Gaza, contre le Hamas officiellement, était justifiée selon vous? Alors, d'un point de vue purement détaillé, l'actualité, il faut toujours la regarder, notamment une fenêtre, notamment la fenêtre du Moyen-Orient, il faut toujours, du Proche-Orient, il faut toujours la regarder sous un multi-écran. Et c'est-à-dire qu'il faut vraiment concevoir qu'il y a le factuel, le massacre, les violences, les morts d'enfants, de femmes, les tirs de roquettes, etc. Ça, c'est du factuel. L'immensité de la puissance complexe de ce dossier réside dans le fait que les vrais décisionnaires se situent à Washington. C'est la Maison-Blanche qui a les clés du Moyen-Orient, c'est une banalité géostratégique, et selon l'habitant de la Maison-Blanche, du bureau ovale, l'on détermine la politique au Moyen-Orient. Il y aurait aujourd'hui un Clinton à la Maison-Blanche, nous aurions probablement des conséquences très importantes sur Jérusalem. Et ce qui fait que voir cette actualité moyen-orientale juste à travers le prisme des violences primaires, des massacres, est très réducteur de la complexité et de l'envergure de la problématique. Elle relève de trois éléments très importants. La politique intérieure israélienne, que le monde arabe ignore, et c'est à son tort, parce que les évolutions démographiques, sociologiques, politiques internes à Israël ont des conséquences dramatiques pour le peuple palestinien et pour les relations internationales. Elle relève d'une deuxième vision très limitative, c'est le monde arabe lui-même qui se déstructure devant les évolutions des révolutions arabes. On oublie que les révolutions arabes, elles ont quand même une conséquence très directe sur le Moyen-Orient, sur la politique du Moyen-Orient, c'est-à-dire que les pouvoirs en place très forts qui étaient avant la chute des pouvoirs de Moubarak et de Ben Ali, structuraient finalement la pression qu'on pouvait avoir sur Israël ou pas. Aujourd'hui, des pouvoirs militaires dépendant immensément de Washington, donc ça veut dire de la politique générale américaine sur le Moyen-Orient, dépendant financièrement, militairement, tactiquement, fait que aujourd'hui, ce que l'on ne sait pas, ou ce qu'on n'entend pas, ou qu'on ne veut pas entendre, c'est qu'aujourd'hui, la seule frontière qui permettrait aux Gazaouites de quitter cet enfer, c'est l'Égypte qui la détient, et l'Égypte la ferme. Alors pourquoi justement l'Égypte n'a pas laissé sortir la population gazaouite? Alors elle la ferme parce que ce que je vous dis, c'est qu'il faut revenir tout dans une globalité. Washington a joué fondamentalement une carte particulière au Moyen-Orient, au Proche et Moyen-Orient. La carte finalement du pourrissement pour pouvoir avoir des ennemis. Et pour avoir des ennemis, il faut détruire ses amis les plus puissants, même les plus contradictoires. On a détruit Moubarak, qui était un ami très encombrant, mais un ami puissant. Il maîtrisait la première armée de la région après l'armée d'Israël. Donc le premier ennemi potentiel d'Israël, il l'a détruit en détruisant Moubarak. Aujourd'hui, l'armée, avec Sassi, l'armée égyptienne est aux mains des Américains. Elle est aux mains des Américains. 16 milliards de dollars d'aide américaine à l'armée égyptienne. Si demain Barack Obama ferme la vanne, ou son successeur, parce que problématique aussi de la campagne électorale américaine, ferme son successeur, c'est que l'armée égyptienne ne tient plus debout, c'est-à-dire que le pouvoir égyptien ne tient plus debout. C'est-à-dire que Gaza est libre, c'est-à-dire que demain, Israël n'a plus d'ennemis tangibles en face de lui. C'est une géostratégie globale qu'il faut voir pour maîtriser tous les éléments. Mais l'Iran, on n'entend plus parler de l'Iran. L'Iran, c'est compliqué. Très peu prononcé alors, sur son ennemi juré qui est Israël. Oui, mais alors l'Iran, c'est plus compliqué. D'abord, pour là aussi, comme pour Israël, les longues modifications structures internes de la politique iranienne. Mais c'est là où il faut retourner. Je ne sais plus si c'est Voltaire ou Diderot qui disait « La connaissance, c'est la première chaise de la liberté ». Je pense que nous sommes dans un monde où la connaissance
se réduit à savoir. Non pas connaître, mais savoir. C'est-à-dire que nous connaissons les faits, mais nous ne savons pas les réalités. Ce sont quand même des éléments très importants à savoir. C'est-à-dire que nous connaissons la réalité israélienne, nous connaissons les faits de l'armée israélienne, nous ne connaissons pas la réalité israélienne. Nous connaissons les faits de la politique iranienne, nous ne connaissons pas la réalité de la vie politique iranienne. Ces deux évolutions de ces deux pays qui ont une particularité en commune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une réalité en commune, ce sont deux pays, ce qu'on appelle théocratiques. Ce sont les deux pays au monde qui ont une théocratie. Ça veut dire quoi, une théocratie? On va revenir à la base. C'est-à-dire, c'est dont le texte constitutionnel est un texte de loi. Est un texte de loi sacré. C'est-à-dire religieux. La Torah, religieux, la Torah et le Coran. Ce sont quand même deux particularités qui ont en commun, finalement, une forme de politique commune. De réelle politique commune. L'Iran se bornant à gérer finalement les chiites iraniens et tout arabe, etc., musulmans du monde, dans une espèce d'intégrisme qui est à géométrie variable, et Israël, dans sa théocratie, a construit autour de son pouvoir politique un pouvoir politico-militaire, arqué sur une arborescence religieuse qui est venue, on le sait, depuis les années 80, devant la menace démographique que représentait la faiblesse démographique israélienne. Il y a eu un vaste mouvement d'immigration d'Europe centrale, qui aujourd'hui, essentiellement de juifs très pratiquants d'Europe centrale, qui aujourd'hui s'arc-boute autour du pouvoir de Benjamin Netanyahu. Et en Iran, nous avons la même chose. Nous avons une similitude de situation qui fait que les deux théocraties du Moyen-Orient, qui sont deux théocraties détenant presque le pouvoir atomique, s'affrontent. Washington, ne voulant surtout pas se mêler du conflit, gère, en laissant peut-être, c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est la vérité, en laissant peut-être les mains libres à son ami, à un allié toujours Israël, pour faire ce qu'elle veut dans son territoire, finalement un territoire occupé, et en laissant en contrepartie à Téhéran un espace libre d'évolution géostratégique, notamment en gérant la problématique des chiites dans l'intérieur du monde arabe, et notamment dans une complexité très particulière que le monde irakien, une espèce de dissolution de la nation irakienne. Et donc voilà la complexité de cette situation. Quel est le but des États-Unis, in fine? Alors, je paierai peut-être probablement 10 ans de ma vie, ou peut-être 100 ans de ma vie, qui sera très réduite, pour savoir quelle est aujourd'hui la vraie stratégie de Barack Obama. La seule situation que nous avons de fait, c'est que Barack Obama aura été probablement la présidence américaine la plus faiblement interventionniste sur le Moyen-Orient. Alors évidemment, ça n'a rien de comparable avec l'immense gestion diplomatique et finalement ambitieuse de Bill Clinton, qui avait une véritable ambition, qui a engagé, bien avant d'être élu président, qui a engagé des vraies négociations profondes israélo-palestiniennes, dans laquelle les vraies discussions étaient de discussions d'homme à homme, et non pas de système à système. Aujourd'hui, nous avons une présidence américaine qui avoue enfin que l'administration américaine a autorisé la torture pour acquérir une certaine forme de protection de sa liberté. C'est-à-dire que nous avons, suite au 11 septembre, nous avons une administration américaine démocrate ou républicaine qui justifie toutes les approximations, toutes les faiblesses de point de vue, toutes les manques d'ambition historique par la volonté de sécurité. Aujourd'hui, Washington ne jure que par protéger nos citoyens. Nous arrivons dans sa sécurité. Ça veut dire que quand vous êtes un acteur primordial d'une zone stratégique comme est le Moyen-Orient, dont les moindres paroles, dont les moindres actes, le moindre acte à Washington est interprété comme un acte de décision ou une non-décision qui favorise une partie ou une autre dans ce milieu très particulier de la géostratégique mondiale, dire du jour au lendemain que la seule préoccupation, c'est la sécurité des Américains. Donc, ça veut dire, sous-entendu, la sécurité de ses alliés. Ça veut dire que ça donne, quelque part,
un point de vue géostratégique, une autorisation à ses alliés de faire la même politique que les Américains sans avoir de compte à rendre. Pour résumer, Barack Obama a immensément de comptes à rendre à son congrès. Benjamin Netanyahu n'a aucun compte à rendre à aucun congrès. Alors, on a tous souligné, on a tous vu la faiblesse de la réponse des pays arabes sur ce qui s'est passé à Gaza. C'est la conséquence de ce que vous venez de nous expliquer, de cette puissance américaine. L'Algérie n'a pas répondu, la Tunisie, le Maroc. On a l'impression qu'il n'y a eu presque aucune opposition. Alors, des pays du Maghreb, vous savez, c'était face à l'attaque israélienne. C'était Laurence d'Arabie qui avait dit une phrase célèbre qui disait « Les Arabes s'entendent tous sur une chose, de ne pas s'entendre ». Et à l'instar de Laurence d'Arabie, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans la constatation de l'inexistence du monde arabe. Le monde arabe est une idée qui est en désuétude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la déstructuration des principales nations créées post-Seconde Guerre mondiale dans le monde arabe, que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Maghreb, par les révolutions, entre guillemets, je dis révolutions diverses et variées, ont fait que les pouvoirs locaux dans les mondes arabes ont déstructuré les vraies entités qui constituaient pour les alliés américains et les alliés européens des possibilités d'interaction sur le Moyen-Orient. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Avant 67, le monde arabe, dès qu'on attaquait les Palestiniens, il faisait une guerre. Les Égyptiens envoyaient l'armée, les Algériens envoyaient l'armée. Moi, j'ai des amis algériens qui sont aujourd'hui à la retraite, des pilotes algériens qui ont assisté aux deux premières guerres arabo-israéliennes, qui me racontent comment ils partaient d'Alger avec des vieux Sukhoi et qu'ils allaient, l'Orari, notamment le commandant l'Orari, qui me racontait comment ils partaient avec des vieux Sukhoi combattre les derniers avions israéliens. Aujourd'hui, à l'époque d'Abdel Nasser, le monde arabe se levait comme d'un seul homme face aux injustices que pouvait subir le peuple palestinien. Aujourd'hui, évidemment, la situation est tellement compliquée et tellement différente, notamment par le fait que le mouvement panarabique n'existe plus. Aujourd'hui, l'idéologie qui a supplanté le panarabisme de Nasser, donc quelque part son marxisme, c'est ce qui aujourd'hui est le subsidie, c'est le religieux. Mais le fait religieux a une chose tout à fait intéressante, c'est qu'il ne se lie pas à une nation, il ne se lie pas à un endroit, il a une transversalité qui fait que le plus important pour un Égyptien, pour un Marocain, pour un Tunisien, pour un Libyen, ce n'est pas d'aller battre Israël, c'est finalement de combattre dans son propre pays son ennemi absolu, c'est-à-dire le pouvoir en place. Et même si le pouvoir en place, paradoxalement, est un pouvoir musulman. Donc ça veut dire que le monde arabe s'est déstructuré. Alors pourquoi il s'est déstructuré ? L'a-t-il été du fait de sociétés de pouvoir extraordinairement corrompues ? Et par qui ? Sachant que les pouvoirs sont corrompus par ceux qui les achètent. Ceux qui les achètent souvent leur vendent les armes, leur achètent leur pétrole, sous-entendu, ce QFD. Donc ça veut dire que quelque part, oui, pour revenir à votre question initiale, oui, les Américains et l'Europe ont joué un rôle fondamental dans la déstructuration des pouvoirs en place qui étaient finalement des garanties pour pouvoir avoir des blocs de négociation possibles face à Israël et pouvoir avoir des actions possibles au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a une dilatation de ces pouvoirs qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, où on n'en parle même plus, que ce soit en Égypte, le général Sassi, aujourd'hui, n'est plus la preuve, il ferme la frontière de Gaza. Donc ça veut dire qu'il ne peut même plus dire au monde arabe « les Égyptiens protègent les Égyptiens, les Palestiniens ». Nous avons dans une espèce de schizophrénie, le monde arabe est devenu schizophrène. Il devient tellement schizophrène qu'il se tue quelque part en lui-même. Et il se tue pourquoi ? Ça, les historiens nous diront pourquoi. Est-ce que c'est la lente érosion de son authenticité liée à la manne pétrolière, ou à l'immense travail de sape qu'on oublie toujours des Émirats Arabes Unis, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, qui ont un rôle immensément
prodigieusement même responsable même de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Je veux dire que c'est des gens qui ont tout fait quand même pour que le monde arabe se dilette. Parce que ces gens-là, ces monarchies très moyenâgeuses, n'avaient qu'une envie, c'est que le monde arabe qui vit à l'heure aujourd'hui d'Internet, qui vit aujourd'hui à l'ère mondiale, à l'ère contemporaine, aujourd'hui en Arabie Saoudite, une femme ne peut pas conduire. Comment ce monde arabe qui est dominé, et c'est eux qui ont le lieu du culte, qui ont que la Mecque, comment ces monarchies-là peuvent accepter l'évolution du monde arabo-maghrébin dans laquelle les femmes pensent, ça paraît rigolo, mais c'est le dire, la jeunesse communique avec le monde entier, on écoute des musiques variées, etc. Et tout ça, pour revenir à votre première question par rapport à Gaza, c'est pour vous montrer comment l'intégralité d'une question sur un projet très particulier, sur une problématique très particulière, surtout au Moyen-Orient, les conséquences, en fait, elles viennent de sources et de raisons profondément très longues et très larges. Aujourd'hui, de manière anecdotique, le Qatari qui investit en France sur le Paris Saint-Germain, c'est anecdotique. Mais en y réfléchissant bien, c'est pas si anecdotique que ça. C'est qu'on a la péninsule arabique, qui n'est pas le Moyen-Orient, qui n'est pas le Proche-Orient et qui n'est pas le Maghreb. Cette péninsule arabique qui est protégée depuis la première guerre du Golfe, souvenez-vous, 91, la première guerre du Golfe, de Bush, elle a protégé le Koweït. Et pourquoi elle a protégé le Koweït? Parce que le Koweït est au cœur des Émirats Arabes Unis, premier banquier américain à une époque. Donc ça veut dire qu'on a créé, et là on a créé pour toute cette petite zone, Le sentiment d'impunité qui leur permet, finalement, après, avec leurs moyens financiers, de régner d'une manière très insidieuse, aussi bien au Maghreb, savoir, par exemple, on va reparler du conflit algérien, il faut savoir que dans le conflit algérien, et ça c'est une réalité, l'Arabie saoudite a donné des millions de dollars à des associations islamistes, dont une partie allait dans l'armement. Et le pouvoir algérien le savait. Mais en même temps, cette Arabie saoudite signait des contrats avec le pouvoir algérien pour plein de contrats industriels, de renouvelables. Et là, on revient sur Washington, et le rôle des Américains était de faire des sphères de deals. De deals. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 15 ans que l'Algérie a vécu des années noires de drame, aucun Américain n'a été atteint. On a été touché. On a touché, je crois qu'on a tué une vingtaine de Français, 7 Russes, 17 Italiens, des Japonais. Aucun Américain n'a été atteint. Et pourtant, ils sont nombreux en Algérie. Ça veut dire que ça donne quelque part le sens des choses profondes qui se passent. Il se passe des choses tellement profondes, mais qu'on en voit les conséquences 5 ou 6 ans après. La mort de Yasser Arafat est probablement aussi un des éléments qui fait que 15 ans après, on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Alors justement, fallait-il chasser Muammar Kadhafi? Alors, après, ce sont des choix... A posteriori, maintenant. Moi, je crois fondamentalement qu'on ne l'a pas chassé pour des bonnes raisons. Et qu'on l'a chassé au sens premier du mot. On ne l'a pas chassé au sens métaphorique. Géostratégiquement parlant, d'une manière générale, quand on dit chasser du pouvoir, c'est une métaphore, souvent. Là, ce n'est pas une métaphore. On a chassé Muammar Kadhafi comme un animal. On l'a chassé, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que sa voiture a été loguée par un satellite, qu'on a visé, la voiture s'est arrêtée, qu'on l'a tué, enfin bref. Mais le problème, c'est qu'indépendamment de la personne, pour ou contre, etc., c'est qu'aujourd'hui, on a déstructuré un pays qui était un pays charnière. Remettez-vous dans la géostratégie, là aussi, toujours entre le Proche-Orient, le Moyen-Orient et le Maghreb. La Libye est juste avant l'Égypte, entre la Tunisie et l'Égypte. C'est ce qu'on a essayé de faire en Syrie également? Ah, c'est plus compliqué en Syrie. C'est plus compliqué parce que en Syrie, les données sont beaucoup plus profondes. Mais de toute façon, il y a un point commun qui est sûr. C'est que dans le monde arabe, on a déstructuré, et là c'est une vraie stratégie, tous les systèmes laïcs. Ce qu'il faut savoir, le point commun, par exemple, entre Saddam Hussein et le régime syrien de Bachar Assad, c'est quoi?
c'est la laïcité. Ce sont deux partis immensément laïques. Et d'ailleurs, tellement c'est vrai, aujourd'hui, les pires ennemis de Bachar al-Assad, c'est les intégristes musulmans. Parce qu'en fait, on a détruit dans le monde arabe les systèmes laïques. Pourquoi ? Parce que, et même Mohamed Gaddafi, il était laïque. Donc en fait, on avait peur, quelque part, je ne sais pas où, probablement à Washington, peut-être en Europe, dans une moindre mesure en Israël, d'avoir des pays laïques. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'avoir un conflit religieux. Donc pour cela, il fallait détruire des systèmes qui étaient basés non plus sur l'idéologie religieuse, mais sur l'idéologie, en l'occurrence pour Bachar al-Assad ou pour Saddam Hussein, marxiste, puisqu'ils étaient marxistes, ou Mamar Kadhafi aussi. Donc on a déstructuré les systèmes laïques pour en mettre finalement des systèmes dans lesquels la religion insidieusement se situe comme une force majeure, facile à avoir comme meilleur ennemi. Le conflit actuel entre Israël et la Palestine, c'est un conflit religieux ? Moi, j'en ai intime conviction que non. Moi, j'ai immensément la conviction, mais je le dis sous... Évidemment, peut-être je vais me tromper, mais je pense que ce n'est pas un conflit religieux, je pense que c'est immensément un conflit politique. Politique entre deux forces. D'abord, une force palestinienne qui est en train de se trouver, d'essayer de se chercher une nouvelle définition. Revenons, là aussi, il faut revenir sur l'histoire des mouvements nationalistes. Il faut revenir sur le mouvement palestinien du Fatah, de Yasser Arafat, aujourd'hui le Hamas, dans cette espèce d'affrontement. C'est une vie politique. Je vais vous prendre un exemple. Prenez un Vénézuélien, faites-le venir en France. Et posez-lui une question sur l'Assemblée nationale française aujourd'hui. Il va vous regarder avec des gros yeux comme ça tout rond, il va vous dire « je ne peux pas vous répondre ». Et aujourd'hui, on a souvent ici, dans les pays très lointains finalement, on prend quelqu'un dans la rue, on lui demande de parler de la politique palestinienne, il va vous regarder, il va vous dire « où est exactement pour la politique israélienne ?» Il va vous regarder les subtilités des modifications entre le Likoud et le Parti travailliste en Israël, les très grandes modifications démographiques qui ont fait qu'une partie du sionisme s'est intégralement, qui était une forme très exacerbée de nationalisme, s'est entièrement ou très importante transféré dans le Likoud, qui a fait que le Likoud aujourd'hui est devenu un parti de guerre, alors que ce n'était pas le cas. À l'époque de Goldmayer, le Likoud n'est pas un parti de guerre. C'est plutôt un parti qui va... Tellement c'est vrai que Isaac Rabin, qui a été assassiné, est un membre du Likoud. Donc ça veut dire que celui qui a signé les accords d'Oslo est un membre du Likoud. Pour comprendre l'évolution, elle est là. Elle est que finalement, le Likoud est devenu un parti... Par l'espèce d'entrisme du sionisme, mais des évolutions internes à une société démocratique. C'est-à-dire des négociations, des discussions, comme on en vit dans tous les partis qui existent. Pour la Palestine, c'est la même chose. Le Hamas a supplanté le Fatah. Le Fatah qui a reconnu très tôt la reconnaissance d'Israël, qui n'est pas le cas du Hamas. Mais il s'est fait par un système d'entrisme qui a fait que des gens ont décidé on va soutenir le Hamas. Et en plus, d'autre part, la politique israélienne a favorisé les gens du Hamas. Parce qu'on coupait l'eau, on coupait l'électricité. Devant la détresse, on va voir ceux qui nous soutiennent le plus. Et en l'occurrence, c'était les gens du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste ? Alors, on ressent, est-ce que Israël avait légitimement le droit de se protéger, comme il l'a dit ? Des agressions du Hamas. Est-ce que ce n'est pas le droit naturel d'un pays de se protéger un groupe qui envoie des roquettes et qui détruit une partie du territoire ? Un droit naturel, pour moi, ça n'existe pas. Sauf si on se situe dans l'état de nature de Rousseau. Le droit naturel, c'est tu me voles une main, je te tue. Ce droit-là, depuis que les Nations Unies de 1946 ont vu le jour, de 1945-1946 ont vu le jour, que ce soit aussi bien sur le plan politique avec les Nations Unies que sur le plan économique avec le Fonds monétaire international, on a essayé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de créer un état de droit, et non plus un état de nature. C'est-à-dire un état de droit, ce qui veut dire qu'une nation, qui est notamment les nations israéliennes, qui est inscrite au registre des Nations Unies depuis 1948, et elle a été reconnue très vite par un certain nombre de pays, se doit, normalement, de correspondre aux instructions ou aux conventions qu'il a liées aux Nations Unies, notamment
le respect des résolutions des Nations Unies. C'est un principe normalement intangible. Quand on vit dans une copropriété, on a des règles de vie. Il y a des devoirs et des droits, comme dans une nation, et de devoirs et des droits. Israël a le droit de se défendre, elle n'a pas le devoir, elle a le devoir de correspondre à son idée. Israël est une idée au départ. Israël n'est pas un État. Lorsqu'on a un petit peu de connaissances sur le monde judaïque, Israël n'est pas, et d'ailleurs tellement c'est vrai qu'aujourd'hui des rabbins protestent contre l'idée sioniste, parce que Israël est une idée. Elle est une idée d'un lieu de vie du peuple juif. Et le problème, c'est que nous sommes arrivés dans un monde où l'idéologie, c'est-à-dire l'idée, a été dépassée par la stratégie des États. Aujourd'hui, ce qui dirige Israël, ce n'est plus l'idée d'Israël, c'est un pouvoir politico-militaire qui agit à des stratégies très particulières, mais qui sont liées très profondément à la société israélienne. Il ne faut pas lui enlever ça. Benjamin Netanyahou ne parle qu'au nom d'une majorité d'Israéliens dont il sait là on revient aussi dans la démocratie quotidienne, par des sondages, par les dernières élections, on revient toujours sur la démocratie, par le découpage électoral, comment tel endroit va voter plus. Il sait qu'il est soutenu par une majorité de gens qui ont acquis l'idée que ne pouvait exister que finalement, non pas en tuant les autres, ça c'est une certaine pervue, mais en se protégeant, en attaquant. Jusqu'en 1978, Tsahal, l'armée israélienne, est une armée qui correspond à l'idée d'Israël. 1978, l'opération qui va faire que l'Italie sur le peuple litanie au Liban, va faire que, et c'est Sharon qui est à la tête de ces unités, c'est la première fois que l'armée israélienne attaque pour conquérir un territoire. Ça va donner Sabra et Shatila en 82, avec la bataille de Beyrouth et bombardements sur la ville de Beyrouth. C'est la première fois qu'Israël attaque pour conquérir des territoires. Parce qu'il faut toujours se remettre aussi dans le contexte. C'est une idée qui change tout. À l'époque, il y avait en Israël un mouvement qui s'appelait La Paix Maintenant, dont j'ai été plus ou moins proche par certains aspects, qui avait des intellectuels qui disaient que ça ne correspondait pas à ce qui se faisait de l'idée d'Israël. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé dans une autre époque, mais comme partout au monde, on n'est plus dans les idées d'un État, on est dans un État dans sa rigueur. Aujourd'hui, Israël est un État dans sa rigueur qui applique une stratégie, une politique froide, sec, avec une opinion publique qui, à mon avis, n'est pas aussi... Uniforme ? Non. Elle est très profondément déstructurée. Elle apparaît uniforme parce qu'on l'a créée dans une espèce de peur. C'est lié aussi, on revient sur Washington qui joue avec l'idée que elle condamne mais elle donne en même temps l'argent pour, c'est-à-dire que quelque part il y a une espèce de peur et qui fait que la société israélienne, si tu veux, se dit si on n'est pas unis, on n'existe plus. Or le problème, c'est que dans une démocratie, et on nous a vanté le projet israélien comme une démocratie locale, la plus importante, c'est que dans une démocratie, si tu enlèves l'idée critique, tu n'es plus démocratique. Donc nous sommes dans une situation très particulière qui fait que, oui, ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre immensément politique. La guerre religieuse, elle se situera le jour où on discutera peut-être du statut de Jérusalem. Nous serons dans une situation religieuse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un conflit religieux, nous sommes dans un conflit politique, éminemment politique, stratégique, dont Washington est le maître du jeu, et il faut croire qu'à Washington, il n'y a plus de maître. Lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir il y a 8 ans quasiment maintenant, il avait promis, quasiment juré, qu'à la fin de son ou de ses mandats, il y aurait un État palestinien. Nous en sommes très loin. Alors, est-ce que pour vous, c'est la solution pour apaiser cette région? Ce n'est pas totalement faux. Aujourd'hui, l'État palestinien est membre observateur des Nations Unies. Donc ça veut dire que, quelque part, il a fait un quart de ce qu'il avait dit.
Parce que si aujourd'hui la Palestine, c'est pour ça que vous avez pu interviewer, je crois, l'ambassadeur de Palestine en France, c'est-à-dire que l'État palestinien est reconnu par le Conseil général des Nations Unies, et non pas par le Conseil de sécurité, mais par le Conseil général, en tant que pays observateur. Donc ça veut dire que c'est l'étape préliminaire et indispensable pour être un État membre. Donc Washington a quand même fait son jeu pour qu'elle soit déclarée État observateur. Maintenant, par rapport à Barack Obama, oui, immensément déçu de penser que il arrive. De toute façon, une chose est sûre, c'est que Barack Obama n'arrivait pas comme un Bill Clinton. N'arrivait pas comme il n'avait pas axé sa campagne d'élection sur le monde extérieur. Il arrivait, mais il faut remettre ça dans le contexte américain, il arrivait comme une rupture intérieure à la politique américaine, intérieure entre démocrates et républicains, il arrivait notamment comme noir américain, mais il n'arrivait pas fondamentalement comme un leader quelque part de géostratégie mondiale. Bill Clinton l'était. Bill Clinton, Jimmy Carter l'était. Même si on a accusé Jimmy Carter d'être très fade, etc., c'était un vrai leader. Il a amené Israéliens et Palestiniens avec Anwar Sadat et comment il s'appelait, dont j'ai oublié celui qui a les accords de Camp David. Il y avait Anwar Sadat et j'ai oublié le nom. Voilà. Il a amené deux leaders d'un c'était monde. Arafat, non, qui était. L'Égyptien, c'était Anwar Sadat, c'est sûr. Et l'Israélien, j'ai oublié, et il a amené deux leaders de mondes opposés, Jimmy Carter, à faire les accords de Camp David. Donc ça veut dire qu'il a. Donc vous voyez, selon qui on est à la Maison Blanche, le monde du Moyen-Orient, qui est un des abcès finalement les plus importants de la tension dans ce monde, s'évolue ou n'évolue pas. On a aujourd'hui un Barack Obama qui, de toute façon, dès qu'il arrivait, dans sa seule obsession, c'était « je vais fermer Guantanamo ». Alors, premièrement, il n'a pas fermé Guantanamo. Certes, il a reconnu qu'il y a eu des tortures, mais il n'a pas fermé Guantanamo. Mais c'est normal qu'il n'ait pas fermé Guantanamo, parce que aujourd'hui, quelque part, aux États-Unis, ce n'est plus le président qui dirige. C'est les services de renseignement, par cette idée que je vous ai dit tout à l'heure, de la sécurisation intrinsèque qu'on donne à chaque individu. Aujourd'hui, chaque individu, quelque part, dans la société américaine, son souci, c'est sa sécurité. Et la sécurité des siens, comme peut-être tout le monde entier. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le président américain, dans son seul souci, c'est de ne pas aller voir si le Palestinien va bien, si l'Éthiopien va bien, si l'Algérien va bien, si l'Européen va bien. C'est si le mec du Wisconsin, de Pennsylvanie, ou de Washington, ou de Californie, va bien. Donc, et ça veut dire que ça détermine une politique internationale qui est finalement très isolationniste. On est revenu à une forme très importante de l'isolationnisme américain. Et la preuve en est sur le conflit israélo-palestinien, où laquelle Washington ne fait rien, mais rien, qui fait qu'elle pourrait demander au moins à Israël d'avoir un peu de retenue. Rien. Si Hillary Clinton arrivait au pouvoir l'an prochain, est-ce qu'on pourrait justement retrouver cette politique dont vous parliez tout à l'heure, la politique de son prédécesseur époux, Bill Clinton? Est-ce que Hillary Clinton n'est pas considérée comme plutôt pro-palestinienne que ne puisse être Barack Obama? J'en suis pas intimement convaincu, parce que là, il faut revoir les structures profondes du Parlement américain, les démocrates et les républicains. Je ne suis pas intimement persuadé que les démocrates américains aujourd'hui, surtout après la crise syrienne qui a été une crise fondatrice, puisque finalement Barack Obama n'y est pas allé. Alors, à titre d'information, j'ai lu la presse et aujourd'hui il a décidé de faire intervenir les chasseurs aériens en Irak sur les gens de l'Émirat. Ça lui coûte rien. De loin, je bombarde des soldats inconnus, peut-être même que c'est les. Voilà. Et ça lui coûte rien. Aujourd'hui, la doctrine américaine de Washington, c'est qu'il faut que je fasse des choses qui ne me coûtent rien. Qui ne coûtent rien aux États-Unis sur le plan financier, évidemment, et sur le plan géostratégique. Intervenir aujourd'hui en Irak, d'un point de vue aérien, ça ne coûte rien.
même pour le prochain président, même démocrate américain, ou si c'est une présidente, je ne suis pas sûr que, sauf à avoir vraiment... Après, il faut analyser les résultats démocratiques de vote, quels sont les tenants. Après, c'est très compliqué aussi. Hein. Si elle peut voir d'un coup que si il ou elle peut se rendre disponible pour un projet de paix, relancer les négociations de paix, pourquoi pas ? J'en doute parce que je pense que Barack Obama a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Je reste persuadé qu'il aurait pu être un grand président internationaliste. Il a été un petit président isolationniste. Parlons un peu maintenant de politique française, pour finir ce premier numéro de Regard d'Actu. Nous avons eu l'occasion, à travers notre journaliste Nicolas Colpart, de filmer François Hollande qui rendait hommage à Jaurès il y a quelques jours à Paris. Nous avons pu voir des ministres socialistes copieusement conspués par des gens de gauche, des communistes. Votre regard sur la présidence de François Hollande aujourd'hui ? Alors tout d'abord, pour revenir sur un fait d'actualité, il me semble évident que le socialiste social-démocrate François Hollande d'aujourd'hui, de 2014, ce référent à la mémoire de l'internationaliste pacifiste, SFEiste, limite communiste, marxiste, Jaurès, ça me paraît évident que la moindre décence voudrait que c'est pas qu'on siffle. Moi, j'aurais pas sifflé, j'aurais juste regardé avec en me disant, regardez l'histoire. L'histoire, elle ne se lit pas. L'histoire, elle s'aime, elle se comprend et elle se ressent. Je pense que, en tant que président de la République, il est normal qu'on rende hommage à une figure tutélaire de la pensée intellectuelle politique française. Ça, c'est normal. Maintenant, que lui vienne tout seul, oui. Que d'autres ministres socialistes viennent, ça me paraît tout à fait normal qu'on puisse les rembarrer. Ce n'est pas leur place, ni historiquement parlant, ni politiquement parlant. J'ai eu la chance de militer un petit peu. Aujourd'hui, si je suis socialiste, enfin, si j'étais militant socialiste, j'aurais rien à voir avec le militant de Jaurès. Tellement c'est vrai que la vraie rupture du Parti socialiste avec Jaurès, c'est Michel Rocard. Quand le PSU, Parti socialiste unifié, en 71, va arriver au niveau du PS, François Mitterrand va tout faire pour que le PSU de Michel Rocard devienne une petite structure inexistante. Pourquoi ? Parce que c'est les seuls jaurassiens du Parti socialiste. Si on devait faire une analogie, mais on ne peut plus la faire, parce que le Parti socialiste d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec Jaurès. Et comme aujourd'hui, l'UMP ne peut plus parler de gaullisme. On ne peut plus parler de gaullisme pour l'UMP parce que nous sommes européens, et on ne peut plus parler de socialisme pour jaurassien pour le PS parce que nous sommes européens. L'Europe a nivelé les idéologies politiques, qui fait que, aussi bien à droite qu'à gauche, on ne peut pas avoir des figures tutélaires, parce que il faut avoir une cohérence politique. Si on sait lire les textes, si on sait lire les mots, si on sait lire les conventions des partis politiques, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Oui, rendons hommage en tant que président de la République à Jaurès. Il est une figure indiscutable de l'histoire de France et importante, laïque, politique. Maintenant que toute une fériade de ministres viennent derrière, c'est de la mauvaise politique politicienne et qui n'a pas de sens. Parce que la réalité, c'est quoi ? Aller sur les marchés, les députés se font siffler, les maires se font siffler. Donc ça n'a rien à y voir d'aller chercher Jaurès. Parce que Jaurès n'a plus rien à... Même les gens aujourd'hui vont parler de Jaurès, ils vont vous dire que c'est un mec bien, parce qu'il a failli éviter la guerre. Il a failli. C'est important. Il aurait évité la guerre. Je ne sais pas si on aurait dit que c'était une belle histoire. L'histoire. Quelque part, Jaurès, voilà, il a failli. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'on l'a tué. Mais voilà, aujourd'hui, pour les gens dans la vie quotidienne, Jaurès, c'est quoi ? C'est une belle statue au bout de l'avenue de la République. C'est la métro Jaurès, c'est l'avenue Jaurès dans telle mairie, mais c'est rien d'autre que ça. Parce que c'est loin, c'est loin. C'est loin, 1914, c'est loin.
La réalité de la vie politique, elle est concrète. Elle est, la mémoire n'est qu'un luxe que l'histoire se donne pour s'apaiser. Ça, c'est un élément important à savoir. Et tant qu'on ne le sait pas, on en joue. Nicolas Sarkozy qui nous fait dire la lettre du Guy Môquet. Et c'est pas pour critiquer Nicolas Sarkozy, c'est une aberration. C'est une aberration. D'abord par le contexte, et puis aussi par l'utilisation de mots qui n'ont pas les mêmes sens. Résistance en 1941, ça n'a pas le même mot qu'en 2007. Ça n'a pas le même mot. Ça n'a pas le même mot. Il y a un monde, il y a deux guerres mondiales. Il faut prendre du recul quand on est un homme politique, parfois dans la société française ou dans la société européenne, parce qu'il faut remettre ça dans le contexte. Aujourd'hui, la politique française se situe dans une politique française, sauf qu'elle oublie qu'on est dans l'Europe. C'est la différence qu'il fait avec la classe politique allemande. Aller en Allemagne, les Allemands, les députés allemands, se comportent comme des députés européens. Ils pensent en termes de législation sur des fonctionnements, de mode de fonctionnement européens. Ça explique peut-être les vases communicantes avec notamment le Front National, différentes choses. Voilà, là je me suis un peu emballé. Il reste 2 ans et demi avant la prochaine échéance présidentielle, un petit peu plus de 2 ans et demi. Vous les voyez comment, ces 2 ans et demi de François Hollande? Un long moment de solitude. Pour lui, probablement. Ou pour les Français? Non, pour lui. Pour lui, parce que politiquement parlant, ça va être très compliqué à vivre. J'imagine que le président de la République, il se lève le matin comme tous les êtres humains sur Terre et se couche le soir. Il a 18 heures de travail. Il y a plein d'heures qui sont occupées par des choses dans lesquelles il n'a pas à penser. Et il a au moins 2-3 heures dans lesquelles on lui fait comprendre que c'est parfois difficile. Au moins quand il rencontre son Premier ministre, qui lui fait que la situation économique n'est pas forcément la plus étincelante comme il l'avait prévu. Il rencontre son ministre des Affaires sociales, qui lui dit que le chômage, ça va être compliqué. Et surtout, ses conseillers qui lui disent que sur le plan purement des sondages, que ça va être compliqué. Non, moi j'ai une opinion, mais qui ne vaut que pour ce qu'elle est, sur qu'une opinion. Moi, je ne crois pas que François Hollande va aller au bout de son mandat. Vous pensez qu'il va démissionner? Moi, je pense qu'il va y avoir des circonstances qui vont amener à réfléchir à sa légitimité. Moi, j'en suis persuadé. Est-ce qu'il n'irait pas plutôt, comme certains le pensent, vers une dissolution dans un an et demi de l'Assemblée nationale? Oui, mais en même temps... Pour rentrer dans une ère de cohabitation qui lui donnerait de légitimité en arrivant devant l'électeur. Alors, je ne suis pas intimement persuadé. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais j'ai quelques connaissances de droit. Moi, je reste persuadé que les deux cohabitations qui ont eu lieu étaient de toute façon de facto la fin d'un mandat. Pour moi, de facto, la cohabitation Jacques Chirac-François Mitterrand est la fin du mandat de François Mitterrand. Même si, effectivement, il refusait de signer les ordonnances, c'était la fin d'un mandat présidentiel. Je veux dire que c'était... Mais en même temps, quand Chirac dissout l'Assemblée nationale, il sait qu'il va rentrer en ère de cohabitation, il se garantit, il le sait, très peu de gens le disent, mais il sait qu'en arrivant à la prochaine échéance présidentielle, ça va lui donner une position beaucoup plus forte. Et pour preuve, il a été réélu pour son second mandat. Mais je reste persuadé qu'au moment de la début de la seconde cohabitation, il n'y a plus de mandat Chirac. Moi, on parle de la même chose. C'est-à-dire que je pense que pour moi, dissoudre ou démissionner revient à la même. C'est-à-dire que, quelque part, quand je dissous en tant que président de la République, j'avais un jeu de cartes dans les mains sur une table, dans laquelle je joue au poker ou à la belote. J'avais des atouts, il s'avère que j'en ai plus. Dès lors que j'en ai plus, je jette toutes les cartes. C'est-à-dire que maintenant qu'on a des nouvelles cartes, et ces nouvelles cartes-là, pour moi, à la différence des autres joueurs, elles sont blanches. C'est-à-dire que je n'ai plus aucune carte dans les mains. Donc ça veut dire que je n'ai plus de mandat politique. Pour moi, une dissolution avec une cohabitation relève d'une certaine illégitimité du pouvoir présidentiel. Enfin, pour moi, c'est une opinion. Il est élu pour 5 ans. Il le reste en tant que président. Et pendant 5 ans, si au bout de 3 ans, il est ce que j'appelle un président muet, sauf à
Et pendant ce temps-là, le Premier ministre, c'est lui le patron. Donc ça veut dire que quelque part, quand je vous dis la fin, je pense qu'il terminera pas son mandat, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que je pense raisonnablement que il y aura une dissolution avant, mais que, effectivement, il aura une majorité, à mon avis, très extrême en face de lui. Alors justement, l'Élysée, paraît-il, il se dit que l'Élysée a très très peur de Marine Le Pen. C'est un danger pour vous, pour les années à venir, ou une chance? Quelle est votre position sur le Front National qui se rapproche de la droite traditionnelle, factuellement, on le constate tous les jours? Pour moi, le Front National, enfin, là aussi c'est une opinion, reste imminemment un pouvoir de non-parti. Ce n'est pas un pouvoir de parti, dans sa structuration. Là on parle un peu politique politicienne, mais c'est la structuration d'un parti, elle est assez cohérente. Il y a un comité central, il y a un directeur général, il y a un secrétaire général. Après, il y a une structuration qui fait très, très comme ça, pyramidale, et qui descend qu'à chaque étape, elle s'élargit. Et elle trouve des ramifications au niveau des conseils généraux, des conseils régionaux, des maires, des assistants aux maires, enfin des conseils. Aujourd'hui, le Front National est très limité dans cette pyramide. C'est une toute petite pyramide. Elle fait beaucoup de bruit, elle illumine beaucoup en termes de lumière, mais c'est une petite pyramide. Pour arriver à l'Élysée, et notamment pour arriver à Matignon, donc qui est le cœur du pouvoir, pour avoir les deux, il faut être une immense pyramide. Je reste persuadé que le Front National est une petite pyramide. Je ne dis pas qu'elle ne compte pas. Je ne dis pas que cette petite pyramide ne pourra pas faire partie d'une pyramide plus grosse qui sera au pouvoir. Mais ça, c'est un rôle à la droite et au centre de voir ce qu'ils ont à faire pour construire une pyramide ou pas. Mais je pense que la pyramide du Front National est encore trop petite pour être une pyramide de pouvoir. Elle reste une pyramide d'opinion, peut-être une pyramide qui étincelle dans la nuit un peu sombre, un peu nauséabonde comme ça, mais elle n'est pas assez puissante pour être au pouvoir. Moi, je crois qu'elle n'est pas assez puissante pour être au pouvoir. Qui voyez-vous comme successeur à François Hollande à gauche? Moi. Non. Compliqué, compliqué comme réponse. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la banalité voudrait dire peut-être Manuel Valls, mais c'est même pas vrai. Non, compliqué. Mais on se situe dans la continuité, si on a un petit peu de mémoire historique par rapport au PS. Ça a déjà été toujours très compliqué de trouver un candidat à l'élection présidentielle au Parti Socialiste. De par à l'époque, la première époque, à partir du congrès d'Épinay, il y a eu ce qu'on appelle les courants, hein, les courants Mandelli, enfin il y a eu plein de courants, et à chaque fois c'était une usine à gaz pour créer un candidat. Après il y a eu l'affrontement, comme je disais tout à l'heure, François Mitterrand, Michel Rocard. Après Mitterrand a dominé, il y a eu après Pierre Monroy qui a un peu légéré, Jacques Delors qui a créé ses propres. Et après si on continue, il y a eu Laurent Fabius qui a commencé à créer ses propres. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'était. Moi, je dirais, dans mon âme et conscience, et en tant que citoyen finalement un peu de gauche, moi, je verrais bien Martine Aubry. Mais je le dis avec l'assurance de l'escargot qui va traverser l'autoroute sans savoir qu'il va arriver au bout. Je pense que c'est suffisamment révélateur pour vous montrer l'idée que, oui, moi, je crois Martine Aubry, mais le Parti Socialiste est une autoroute avec une particularité d'avoir des voitures qui vont dans tous les sens. Voilà. Et le successeur naturel de Nicolas Sarkozy, à droite? Je vous dirai pas moi, ça c'est sûr. François Fillon, ça c'est sans problème. À droite, c'est clair, c'est clair. Copé s'est suicidé, je pense, politiquement. Je pense que oui, François Fillon, à mon avis, il a la légitimité d'un Premier ministre qui a vraiment gouverné. À la différence, c'est que c'est lui qui gouvernait. Même s'il disait que c'était l'autre, mais le Premier ministre, c'est le mec qui gouverne, c'est le mec qui fait la tambouille. En politique française, c'est ça. Le président, quel que soit même en 5e République, mais François Fillon a l'expérience d'avoir gouverné la France pendant 6 ans, 6 ou 7 ans, je crois. Il n'a pas de casserole, il n'a pas de casserole au mec, il n'a rien, François Fillon. Alors que l'autre, voilà. Moi, je crois plus en François Fillon qu'en quelqu'un d'autre. Je crois que si j'étais un mec de droite,
si j'étais un mec de l'UMP, je pense que ma meilleure chance pour être candidat, pour avoir un candidat élu à l'élection présidentielle, ce serait François Fillon. Pas Copé, Raffarin, il est parti je ne sais pas où. Sarkozy, il a tellement de casseroles, et même pendant la campagne, ça va lui tomber encore dedans. Voilà, donc je pense que le mec le plus naturel, Juppé, ouais, c'est Juppé, comme on dit. Comme on dit à l'UMP, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est, je ne me trompe pas. Quand je dis oui, c'est Juppé. Bon, c'est-à-dire que ça ne va pas plus loin que ça. Hein. Donc je pense que oui, je pense que naturellement parlant, politiquement parlant, et en plus, je pense raisonnablement, là, pour un aspect plus concret, c'est celui qui a les réseaux les plus fondés. Parce que quand tu es à Matignon pendant 6 ans, et ce n'est pas certain que je dirais, tu as l'autoroute pour créer tes réseaux qui vont te permettre, parce que la politique, c'est ça aussi, d'avoir tes conseillers généraux, tes conseillers régionaux, pour avoir tes signatures de candidature, pour créer tes comités de soutien et pour organiser tes campagnes. Et donc, ça veut dire, oui, moi, je pense que naturellement, c'est Fillon. Eh bien, merci, Karim Aïté-Djejoun, de nous avoir reçus dans votre galerie, la galerie des 13 regards à Paris. Galerie où vous exposez, on peut en parler une petite minute. Oui, quelques photos. Vous accueillez des photographes, des artistes. Des photographes, des prêts, voilà, des peintres. C'est un espace de liberté, d'expression, dans leur divergence de support. Et voilà, on essaye d'ouvrir un peu cet espace au regard des autres sur la création d'autres personnes venues de monde entier. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.